Bonjour, ici Elta Taku. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux volets concernant Pokémon Go. Le premier volet concerne le code source de la dernière mise à jour. Il y a des informations vraiment très intéressantes à l'intérieur, on va en discuter. Et le deuxième volet concerne les dernières mises à jour au niveau de certaines attaques qui vont rendre le mode PVP vraiment beaucoup plus intéressant et très stratégique, ce qui est une excellente nouvelle pour moi car je trouvais que le système était vraiment à améliorer et ils ont commencé à l'améliorer, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Commençons par la matrice du code source de Pokémon Go. En effet, dans le code source, on a trouvé des informations très intéressantes qui concernent les Pokémon de la région de Galar. Les fameux Pokémon de la région de Galar ciblent directement la sortie de deux nouveaux jeux de Pokémon qui vont sortir à la mi-novembre, le 15 novembre directement. Il s'agit de Pokémon Épée et Bouclier. Dans les Pokémon de la région de Galar, il y a des Pokémon qui sont actuellement dans le jeu Pokémon Go. Donc, on peut s'attendre à la même chose qui a été faite avec les Pokémon de la région de Alola. Les Pokémon ciblés sont les Pokémon suivants. Il s'agit de Smogogo, Zigzaton ainsi que Linéon sur leur forme galarienne référant aux deux jeux. Il y a également deux autres Pokémon. Il s'agit de Palartichaux ainsi que Ixon. Par contre, pour Palartichaux et Ixon, mon avis est que ces deux Pokémon vont se retrouver dans des boîtes mystères car ce sont des Pokémon quand même assez importants de la sortie de ces deux jeux. Donc, à mon avis, ils ne seront pas disponibles facilement. On va devoir les trouver dans des boîtes mystères pour rendre la tâche un peu plus ardue pour les posséder. Donc, on va devoir posséder les deux jeux pour pouvoir avoir ces deux-là. C'est mon opinion personnelle à moi. J'aimerais ça connaître votre opinion personnelle, mais d'après moi, ça risque de faire la même chose qu'on a vu par le passé avec Meltan. Meltan qui était disponible lui également en transférant un Pokémon dans le jeu directement. On obtenait cette fameuse boîte mystère pour obtenir le fameux Meltan. J'ai l'impression qu'ils vont répéter le même processus pour Palartichaux ainsi que Ixon. C'est mon avis. Un autre élément trouvé dans le code source concerne une découverte colossale, qui est un événement qui concerne un raid face à un Pokémon colossal. À mon avis, ce Pokémon colossal devrait être Régigigas. Pokémon est maître des trois golems Régis, Régistyle ainsi que Régirock. Car c'est le colossal Régigigas, à mon avis, ça devrait être lui qu'on devrait affronter lors de cet événement spécial. Il y a une passe d'attribuer à cet événement qui est mentionnée dans le code source. Il y a également dans le code source des nouvelles attaques d'ajouter. Il s'agit des attaques suivantes. Il s'agit de Croc-Éclair, Croc-Givre, ainsi que Empalcorn, Abîme et Lame Sainte. Lame Sainte utilisée par le Pokémon Keldeo de la génération 5. Donc, ce sont des ajouts, selon moi, qui visent l'arrivée de nouveaux Pokémon dans Pokémon Go pour la génération 5 directement. Il est à noter aussi que l'attaque Croc-Feu va être réajustée et donner le même nombre de dégâts que les attaques Croc-Éclair et Croc-Givre pour balancer le tout. Il est également mention dans le code source de trois nouveaux modules d'encens et de leurre. Il s'agit des modules Spicy, Cool et Floral qui sont ajoutés dans Pokémon Go. On ne sait pas quand exactement, mais ils sont situés dans le code source, donc ils peuvent être relâchés à tout moment. On peut revenir aussi avec le fait qu'il y aura du changement au niveau des Pokémon de type Ombre qu'on peut affronter lors de nos affrontements face à la Team Rocket. Les Pokémon qui vont être ajoutés sont les Pokémon suivants. Onix, Smogogo, Steelix, Cadoiseau, Cerfrousse, Tenefix, Polychromp, Branette, Skelenox, Terraclop, Stalgamin, Oniglali, Blizzy, Blizzaroi ainsi que Nocturnoir. Ce sont les Pokémon qui seront disponibles à attraper lors de vos affrontements face à Team Rocket. Maintenant, la partie la plus intéressante, il s'agit des changements au niveau des attaques de Pokémon dans Pokémon Go. Le changement numéro 1 concerne Bulldo. Bulldo sera rendu plus fiable au niveau de l'attaque de la façon suivante. Lorsque votre Pokémon utilisera Bulldo, l'adversaire que vous affrontez aura son attaque baissée de 1 niveau, ce qui est vraiment très intéressant. Ça ajoute un côté stratégique lorsque vous utilisez un Pokémon qui utilise Bulldo. L'autre modification concerne Psycho. Psycho sera rendu beaucoup plus fiable au niveau de son attaque, plus rapide, et également, ça l'affectera votre adversaire en baissant sa défense considérablement. Ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour Psycho. Donc, Psycho très intéressant à utiliser pour des combats en PVP. Il y a également l'attaque Point Boost qui sera modifiée afin de la rendre plus fiable à la réalité, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Il y a l'attaque Aboiement qui sera modifiée afin d'être
plus rapide. C'est-à-dire que lorsque vous utiliserez aboiement, ça chargera plus vite votre énergie, ce qui vous permettra de faire des attaques chargées de façon beaucoup plus efficace. Ça concerne certains Pokémon comme Arcanin, Luxio, ainsi que Noctali et Suicune. Donc avec ces Pokémon, vous pourrez charger votre barre d'énergie plus rapidement avec aboiement, ce qui est vraiment très utile à savoir pour préparer vos équipes pour vos combats en PvP. À mon avis, Niantic fait ce genre de modifications pour rendre les jeux en mode PvP beaucoup plus intéressant, stratégique et plus diversifié au niveau des Pokémon que vous allez sélectionner pour vos affrontements. Il a également modifié certains aspects des combats en PvP afin de le rendre beaucoup plus intéressant, ce qui est vraiment de bonnes nouvelles, car ça va rendre le jeu beaucoup plus intéressant pour ses affrontements en mode PvP. Maintenant, ma conclusion concernant toutes ces bonnes nouvelles de la part de Niantic. Commençons par le code source. Le fait d'ajouter des Pokémon de la région de Galar à la sortie du jeu ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait avec Meltan, ce qui est vraiment une très bonne idée. Ils l'ont fait également pour les Pokémon de la région d'Alola, c'est-à-dire des Pokémon actuels, mais sous leur forme d'Alola. Ils vont sûrement faire la même chose concernant ces fameux Pokémon de la région de Galar. Et il y a certains Pokémon actuels qui auront leur forme galarienne, ainsi que deux Pokémon très intéressants, Palartichaux ainsi que Ixon, qui seront, à mon avis, disponibles dans des boîtes mystères, du moins c'est mon avis. On va voir ce que Niantic va en faire lors de la sortie des deux jeux, Bouclier ainsi que Épée pour la Nintendo Switch. Concernant maintenant les attaques qui ont été ajustées afin de leur donner un effet sur l'adversaire, le Pokémon adverse qu'on affronte, c'est une très bonne nouvelle, car ça va rechercher justement l'idée des changements de statut, ce qui est vraiment plus intéressant pour nos combats en mode PvP. Ça rend le jeu beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. J'espère qu'ils vont faire d'autres ajustements dans ce même sens à l'avenir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que vous pensez de ces changements? Est-ce que vous trouvez que c'est des changements positifs ou négatifs? Qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer au niveau des futures attaques qui auront un effet sur les Pokémon? Et parlez-moi de ce que vous pensez également des Pokémon de la région de Galar. Selon vous, est-ce qu'on va voir Palartichaux arriver et Ixon arriver dans des boîtes mystères ou ils seront disponibles d'une autre façon? Merci encore de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo.